Deuxième, je crois qu'on a, c'est plus que du national là, hein. C'est de l'international avec une oui, après ça va. Eh bien, bonne chance et bonne continuation. Démonstration de Tai Chi. Devant l'espace. Ce qui a fait la renommée non seulement du tennis club d'Auray, mais du pays d'Auray, et du pays d'Auray, c'est l'Open Super 12 qui a vu une sélection des enfants de 12 ans avec Nadal, Gasquet, Kim Clasher, Justine Henin, enfin bref. Voilà, et qui fait que. Le nombre d'adhérents et votre pratique. À vous la parole, parlez bien dans le micro comme moi. D'ailleurs, on entend très bien. Allez-y. Le club du SILA est un club qui fonctionne bien, hein, puisque cette année on est à plus de 330 Il y a lui qui cache la caméra. C'est pas juste.
Samedi 28 mai 2016 restera dans l'histoire d'Auray, dans l'histoire du sport d'Auray. On a tous vécu une journée merveilleuse, pleine de soleil. Je suis sur rouge, il paraît. On a vécu quelque chose d'exceptionnel. Je crois vraiment que tout le monde ce soir, que ce soit les associations sportives, que ce soit les parents, que ce soit les jeunes enfants, les moins jeunes, sont vraiment ravis de cette journée. Je voulais saluer la présence de certaines personnalités, donc Madame Caroline Tinulo, qui est vice-présidente du conseil, qui est conseillère régionale, pas encore vice-présidente, présidente de la commission culture du conseil régional et sport. François Coutillet, maire de Saint-Philibert, je crois qu'il y a un adjoint de Plémel aussi qui est là, voilà, bienvenue à toi. Beaucoup d'élus d'Auray qui sont là ce soir, et puis bien sûr toutes les associations et les présidents. Quoi de plus beau pour fêter la fête du sport dans une ville que d'accueillir un grand champion? Un champion exceptionnel. On a la chance ce soir et cet après-midi d'avoir accueilli Hervé Dubuisson, à qui je vais demander de venir sur l'estrade. Mais pardonnez, la différence de taille va être pas en ma faveur. Il ne s'agit pas de retracer toute ta carrière, Hervé, elle est exceptionnelle. Grand champion de basket. Champion du nombre de tirs en un seul match, champion du nombre de tirs de points, un championnat. Tu as été au Mans, tu as été à Villeurbanne, enfin tu as tout connu dans le basket. Tu le dois le faire. Je suis seul. Hein? Ça marche plus. Vous m'entendez comme ça? Hervé, tu as connu tout dans le sport et tu as connu aussi en 2001 un incident de vie qui t'a fait remettre en cause. Tu as expliqué tout à l'heure en toute simplicité que tu cherchais un coupable dans cet incident de vie, et le coupable, tu croyais que c'était toi au début, et on t'a aidé pour t'apercevoir que c'était pas, que tu n'étais pas coupable de cet accident. Simplement que le champion demeure, et l'auteur de ce livre qui est parti, le champion demeure, le champion est toujours là, l'homme est exceptionnel, et des 5 minutes que j'ai discuté avec toi, je trouve que tu es un homme merveilleux et je vous propose qu'on applaudisse. Ouais. Alors, un petit souvenir du pays d'Auray, de la Trinitaine. D'ailleurs, je crois que la présidente de la Trinitaine était dans le coin tout à l'heure, Anne-Marie Petit. Elle est repartie. Donc, remis par Aurélie qui joue, donc notre adjointe au sport. Et puis Maël Robic du LJV Athlétisme.
On va commencer par un garçon cette fois-ci. Erwan, il est junior pour la première année, il est au club depuis 2011. C'est ça. Obtient plusieurs victoires dans les catégories. Benjamin. Ah, pardon. Ah, c'est Emma d'abord. Ah, bah, excusez-moi. Alors Emma, bah Emma, alors Emma, elle est toute jeune, elle a 14 ans. Elle est au club depuis 6 ans, c'est ça. Parmi les plus jeunes de sa catégorie, elle s'est qualifiée au championnat national. Elle détient des records du Morbihan dans la catégorie de 13 ans. Elle est aujourd'hui la seule nageuse morbihanaise qualifiée au championnat de France minime d'Amiens en juillet prochain. Déjà, vous pouvez déjà l'appeler le professeur. Alors c'est Erwan, voilà. Comme ça je vais suivre, ce sera plus facile pour moi. Erwan, donc junior première année, il est au club depuis 2011, obtient plusieurs victoires dans les catégories Benjamin et Minime. En 2015, 3 victoires, dont le championnat du Morbihan. Donc c'est un jeune champion du Morbihan également. Des podiums, dont la finale de la Coupe de France cadet. Sélectionné dans le club Bretagne junior 2016. Premier podium sur la course d'attente de la route bretonne en terminant troisième et victoire sur le circuit de la vallée de Tréoret. Sélectionné pour participer à l'une des plus belles courses juniors françaises, la classique des Alpes en juin prochain. Donc là, ça va grimper. Hein. L'équipe Benjamin du PAVB, championne du Morbihan, qualifiée pour la phase finale de la Coupe Bretagne et du championnat de Bretagne. Et l'équipe minime d'Oré Natation, malgré l'absence d'un titulaire, cette équipe a réussi à se classer deuxième des interclubs régionaux de Bretagne. Juste derrière l'équipe de Brest, composée de nageurs de sport études. On peut tous les applaudir. Et le vainqueur du trophée est... l'équipe Benjamin du pays de Ray Volleyball. Petite photo. Allez,